Bonjour, bonjour, c'est Kirikou. Eh oui, de nouveau, je suis en vidéo. Voilà, ça va changer un peu des photos parce que j'ai enfin trouvé un caméscope. Donc, je vais pouvoir reprendre les vidéos. Ça va être quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus vivant pour mes sorties randonnées, bivouac. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant que les photos. Les photos, c'est bien, mais bon, voilà. Après, je ne suis pas non plus un grand photographe. Alors, la vidéo, ce sera, je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà. Et une vidéo vite fait pour vous dire que suite aux commentaires, aux beaucoup de demandes que j'ai eues, je vais vous faire un retour sur mon lit de bivouac, le fameux lit que vous avez pu voir dans les derniers diaporamas. Donc sur le lit. Je ferai un retour aussi sur le réchaud à alcool. Et sur ma lanterne avec mon système d'éclairage. Voilà, j'ai eu des demandes aussi là-dessus. Et la dernière vidéo, ça sera sur la tente que j'ai découvert un peu par hasard chez Jiffy. Voilà, une très bonne tente par rapport au poids. Elle est à guère plus d'un kilo, quoi. Enfin, je vous expliquerai tout ça en vidéo. Voilà, donc je vais vous faire un retour là-dessus et voilà, parce que beaucoup m'ont demandé et puis moi j'apprécie beaucoup les vidéos que vous faites sur YouTube. Ça me permet des fois de choisir mon matériel, d'avoir des voilà des retours intéressants. Donc c'est normal qu'à mon tour, voilà, je vous fasse partager mon ressenti, mon retour de mon matériel que j'utilise régulièrement. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, c'était assez rapide. Et pour les vidéos du retour matériel, j'essaierai de faire ça avant la fin d'année. Je pense que voilà, parce que j'ai essayé déjà d'en faire une, mais j'ai filmé avec mon téléphone, ça a été une catastrophe. Donc il a fallu tout laisser tomber. Et voilà, le Père Noël est passé, et j'ai pu avoir un caméscope. Voilà, merci Monsieur le Père Noël. Et voilà, donc je vais filmer tout ça, ce sera beaucoup mieux, voilà, parce que sinon, vous faire un retour du matériel en photo, ça va pas être terrible, terrible, quoi. Là, en vidéo, au moins, vous verrez le montage, vous verrez, voilà, ça sera quand même beaucoup plus parlant. Voilà, donc je vous dis à très vite, à très bientôt, et merci encore de me suivre, et je vous dis à très vite pour le retour de tout mon matos. Ciao! Bon, maintenant la présentation d'un article que tout le monde m'a énormément posé de questions, c'est sur le fameux. Non, non, non. Alors pour le démontage, rien de plus simple. Hop, c'est ici. Toc, toc, ça c'est facile. Le fameux lit de camp, voilà, que j'ai découvert un peu par hasard, parce que je ne suis pas tellement féru de tente, parce que moi j'aime bien dormir dehors et enfermé dans une tente, ça gâche un peu le plaisir d'être dehors, quoi. Mais voilà, donc un peu par hasard, on est allé faire les courses, on a fait un tour dans un magasin Jiffy, et je suis tombé sur cette tente. Alors il marque deux places, mais donc c'est marqué deux places, mais c'est plus une place et demie que deux places, ou alors deux places pour enfants, quoi. Voilà. Et bon, bien sûr, pour ce prix-là, la toile est assez légère. C'est pas une toile super épaisse, donc c'est pour ça que je dis pour le prix, l'étanchéité. On verra. Hein. J'ai pris qu'une petite pluie pour l'instant. J'ai pas eu de soucis de. La veille de partir, je la charge à fond. Alors il y a comment on peut dire, un témoin de charge, c'est-à-dire tout le bouton. On va faire un essai d'ailleurs, parce que je ne sais pas dans quel état elle est. Voilà. Donc là, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais on voit que le voyant vert, il est presque à la moitié. Voilà. Parce que quand elle est à charger à 100%, tout le voyant vert, il est vert de chez vert. Et là, on voit qu'il est vert que cette partie-là. Voilà. Donc elle doit être à moitié déchargée. Parce que je m'en suis servi tout un week-end, je m'en sers à la maison presque tous les jours. Donc voilà.
Ça c'est la partie quand on veut le transformer en réchaut à bois. Je m'en sers pas. Voilà, ce sont les parois. Tac, tac, tac. Et ça, c'est la partie où se fixe le réchaut alcool. Comme ça. Voilà, hop, on referme. Tout bête. On a la goupille qui est fournie avec. Voilà. Donc, oui.